Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités, tendances de la mode africaine. Je suis Dodia Ndiaye. C'est parti. Comment porter le jaune à la rentrée? C'est le retour du soleil sous nos tropiques, le moment de mettre en avant le dressing coloré. À cette période, la couleur jaune est idéale, surtout pour les peaux noires. Encore faut-il savoir comment la porter. Le jaune or, canari, citron, beurre, moutarde, paille, poussin, safran, ocre, soufre. Toutes ces déclinaisons s'offrent à vous à condition de trouver la bonne nuance. Le total look jaune, il suffit d'être bien inspiré pour trouver le vêtement à choisir en fonction de votre teint et votre morphologie. Une robe ou un ensemble tailleur feront l'affaire. Une pièce forte, misez tout sur une pièce forte de votre look. Une veste, un pull, vous n'en choisissez qu'une ou vous associez à des indispensables du dressing. L'indispensable, une chemise tendance et une jupe midi jaune ou porter un pantalon jaune avec un bomber tendance ou encore porter une veste en jean avec une blouse légère et jaune. Un accessoire, si vous n'osez pas la couleur en vêtements, optez pour un sac à main, une ceinture ou des chaussures de la couleur jaune. Source, Elsie. Les dames au look les plus élogieux au 77e Festival international du film de Venise. Le 77e Festival de Venise s'est tenu du 2 au 12 septembre dernier. Le festival, qui est officiellement reconnu par la Fédération internationale des associations de producteurs des films, FIAPF, est le premier festival international depuis le début de la pandémie de coronavirus. Et en l'état, Venise a fourni un modèle pour ceux qui cherchent à organiser des événements de haut niveau en toute sécurité. L'objectif du festival est de sensibiliser et de promouvoir le cinéma international sous toutes ses formes d'art, de divertissement et d'industrie dans un esprit de liberté et de dialogue. Le festival organise également des rétrospectives et des hommages à des personnalités majeures pour contribuer à une meilleure compréhension de l'histoire du cinéma. Les festivals du Venise 2020 concernent peut-être les films, mais comme toujours, la mode est en concurrence pour toute l'attention. Il y a quelques points forts qui ont attiré notre attention jusqu'à présent. Cette année, Cate Blanchett a joué dans la mode durable en répétant ses anciennes tenues qui avaient déjà orné le tapis rouge. Le mannequin argenté Cecilia Rodriguez, pour la première fois de Padre Nostro, a orné le tapis dans un chef-d'œuvre métallique plissé, tandis que le mannequin sénégalais Mati Fall Diba, qui a récemment fermé le défilé Dior Ressort 2021, a volé la vedette dans une robe croisée avec une fente profonde contre une bouche rose sourde. Le reste des dames de la liste A de l'industrie cinématographique internationale ne peut pas arrêter la magie qu'elle apporte sur le tapis rouge. Découvrez quelques-uns de nos looks qui ont marqué le Festival international du film de Venise de cette année. Les 5 pièces de transition qui vous serviront maintenant et la saison prochaine. Vous approchez rapidement de l'effondrement de votre garde-robe alors que vous naviguez dans le dilemme annuel de la tenue de l'été à l'automne. Ne paniquez pas, alors que nous nous approchons des jours plus frais et des soirées plus courtes, il est logique d'investir dans des vêtements d'extérieur confortables, des options de superposition et de chaussures pratiques. Regardez aussi le monde naturel qui offre la palette parfaite pour la
la nouvelle saison, les riches teintes de l'automne commencent à apparaître, incitant à porter régulièrement tout ce qui est beige, caramel et caramel du style défini une fois de plus. Les jupes en cuir, les manteaux tendance et les chemises blanches impeccables se sont avérées populaires parmi les Danois de la Fashion Week de Copenhague et beaucoup ont rapidement réutilisé leurs robes d'été flottantes chéries avec une bottine ou une ceinture épaisse pour les amener en septembre. Voici les 5 pièces de transition qui vous serviront maintenant et la saison prochaine. Nous avons les vêtements d'extérieur aux teintes caramel et caramel trench coat en coton carl cap, ensuite une jupe crayon en cuir tendance, la jupe crayon en simili cuir bomb and fer de gartane, après les bottes hauteur genou poli, bottes en cuir tan kurt guergé et la chemise blanche impeccable et impeccable chemise en sergé noué jacquemus. Et enfin une robe d'été respawn, la robe à carreaux gagne. À faire à la rentrée. Bien que rivalisant avec les légendaires braids, la coupe carrée demeure sans contexte la coiffure intemporelle qui ne nous fait jamais défaut. Il y en a pour tous les styles plongeants avec des boucles à franges et sont toutes des valeurs sûres. Si vous avez envie de changements remarquables, envie d'aborder la rentrée en force avec assurance, osez ces coupes carrées que nos célébrités adorent. Petite remarque, la coupe Bob fait beaucoup de ravages en ce moment, il est donc temps de la tester. Voici pour vous cet style de coupe carrée à faire à la rentrée. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodjandjai. À la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye!